Dieu qui vous amène, docteur Malaoug. Le bon Dieu et mes oreilles, tête noire. J'ai entendu des cris, je suis venu. Bien. Donnez-moi une chemise. Hey, il va nous rester longtemps estropié, Thomas. Soyez heureux qu'il vive. À 3 pouces près, le cœur était touché. Tenez ça, sans appui. Bah oui, mais c'est que le travail, il n'attend point, lui. Travail pour crever de faim, se faire saigner comme un porc, c'est pas de justice. Hey, qu'est-ce que tu veux, toi, Fourik? Changer le monde, hein? Travailler et crever de faim, on en est tous là, va. Ah, bah la misère. Eh oui, bah t'as qu'à te plaindre aux orages de l'été dernier qu'on pourrit toute la moisson. Et puis fais une prière pour que ça recommence pas cette année. Ils m'ont dit ? Ouais, notre maître. Ils voulaient nos chevaux. Ils ont pris ? Oh non, y a le Thomas qui leur a tenu tête. Il en a même tué un. Et puis les autres se sont en sauvés. Les salauds ! Si je les attrape, je les coupe en pièces. Ces salauds mangent des racines et des chiens crevés depuis des mois. Des hommes humiliés, réduits à l'état de bête. Vous les excusez? Non, mais je les comprends. Vos mauvaises idées, toujours. Je les crois excellentes. Et mes amis se chargeront de les faire triompher aux états généraux. En humiliant le roi et la noblesse. Si des hommes veulent voler des chevaux pour les manger, barons de Brècheville, il faut les punir sans doute. Mais il faut surtout s'employer à ce que l'inégalité en France soit moins scandaleuse. À vous voir, vous n'en souffrez pas trop de cette inégalité. En effet, mais j'ai des yeux pour m'en apercevoir, un esprit pour m'en révolter. Et une morale pour soigner les pauvres gratuitement. Serviteur. Allongez Thomas sur le goémon. Je viendrai changer son pansement demain. Ah, doucement, doucement. Pareil à la maison. Si notre maîtresse voit ça du ciel. Qu'est-ce que tu crois, mon appelé ? Rien, rien. C'est sûrement la colère du ciel. N'aie pas peur, la nouvelle. L'amour dans l'orage, je ne suis rien de meilleur. Vous avez perdu votre langue, monsieur mon fils aîné. Non, mon père, mais comme je ne trouve rien à vous dire, je me tais. Alors, parle, toi, mon petit cœur. Entre Mathieu Bouche-Cousu et François qui rêve comme un idiot, je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu. Avec votre permission, mon père, je ne me sens point idiot. Je serai officier du roi. Un rêveur! Un mangeur de livres, un bon à rien! Mais laissez-le, notre maître! Il n'a pas voulu parler mal! Ouais, ta gueule! Quelqu'un qui sait monter à cheval en descendant, qui sait l'heure, rien qu'à l'ordre du soleil, et qui appelle nature pour jouter avec les garces. Mathieu, cette tête de mule, oui! Mais vous, le fluet. Je ne vous ai pas vu souvent faire l'homme dans les granges ou dans les meules. En effet, mon père, j'aurais eu peur de vous y trouver. Mon père! Reprenez-vous. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp ou je t'étrangle ! Pardonnez-moi. Je viens demander votre secours. De
Depuis les croisades, les barons de Brècheville n'ont jamais refusé leur aide. Surtout une demoiselle. Je vous remercie, monsieur. Que puis-je pour vous? L'orage m'a surprise. J'adore l'orage, mais mon cheval a pris peur, il s'est blessé. Vous vous promenez toute seule? Par les temps qui courent? Avec ces chiens de bandits tout prêts à vous assassiner? Je viens d'arriver en Bretagne, monsieur. Et je veux connaître tous les chemins de votre province pour mieux l'aimer. Bien dit. Donc, votre cheval est blessé et vous voulez rentrer chez vous. Nous allons arranger tout cela. Vous êtes assuré? L'honneur est pour moi! Allez préparer deux chevaux. Et rentrez celui de mademoiselle à l'écurie. Avec joie. Mais au fait, ma chère, où habitez-vous? À deux lieues d'ici, la maison Malaoug. La maison du docteur Malaoug? C'est mon oncle. Le docteur est votre oncle. Alors adressez-vous à lui pour soigner votre bourré qui vous ramène chez vous. Moi, j'ai affaire. Moi, j'ai affaire. Viens, ma poulette, tu n'as pas fini ta journée. Je vous accompagnerai. Je vous remercie, monsieur. Vous avez poussé à notre porte. Demander secours, c'est devoir de vous aider. Mathieu ! Emmène-moi ! Emmène-moi, s'il te plaît ! Sois gentil ! Tu m'aides ? Allez, monte, petite grenouille. Ah, bien installé? Oui. En route. Merci. Moi, je m'appelle Sophie, et vous? Judith. C'est beau, Judith. Sophie, ça fait petite fille. Oh, pas du tout. Cela a beaucoup de charme. C'est vrai? Mm-hmm. Et en plus, cela vous va très bien. On pourrait aussi se promener, toutes les deux. Vous savez, je monte très bien à cheval. Toutes les promenades que vous voudrez. Je vous l'ai dit, je veux connaître la Bretagne. Elle me paraît si belle. Nous voici arrivés. Oh, Mathieu, s'il te plaît, restons encore un peu avec mademoiselle Malaoug. Elle et moi, je suis sûre que nous allons devenir amies. N'est-ce pas, Judith? Sophie, s'il te plaît, pardonnez-lui. Votre sœur a raison. J'aimerais beaucoup être son amie. Restez, je vous en prie. Alors, on reste. Oh. Ah, je suis contente. Moi aussi. Je suis ravie que vous aimiez notre maison. Elle est magnifique, madame. Elle vous est ouverte à toutes deux, quand vous le voudrez. Merci. Oh, ne renversez pas les rôles. Vous avez secouru ma nièce, elle a eu de la chance. Oui, une grande chance. Le rhum des îles, 20 ans d'âge. Goûtez-le. Mais quelles îles? Ouessant ou Noirmoutier? Elle est curieuse comme une pie. Bien plus loin. Mon frère Guillaume et moi sommes nés à l'autre bout de l'océan. À la Marie-Galante de la Guadeloupe, tout près des Amériques. Les Amériques? Mm-hmm. De tout cœur, soyez les bienvenus chez nous, mademoiselle et monsieur de Brècheville. Si vous buvez en fermant les yeux, vous verrez des voiliers paresseux, des singes, des grands perroquets qui piaillent dans les palmiers, les champs de canne à sucre avec leurs fleurs blanches, la neige en plein été. Ça brûle! Je n'ai rien eu le temps de voir. Madame, je vous présente mes regrets. Sophie et moi devons rentrer à Brècheville. Mais qui vous force à rentrer si tard dans la nuit? La maison est ouverte, je vous l'ai déjà dit. Vous avez fait un long chemin. Passez la soirée avec nous et vous partirez demain matin, c'est mieux. Oh oui, Mathieu!
Dieu sait que je n'ai pas peur la nuit, mais je me sens toute brisée de fatigue. Tu dormiras à cheval. Pardonnez-moi, je crois que votre sœur a besoin d'un bon bain chaud et moi aussi la pluie m'a glacée. Vous avez une baignoire? Bien sûr, pourquoi? Sophie! Sois gentille. Je vous remercie d'avoir accepté, monsieur. Comme vous êtes jolie. Et vous, vous êtes charmante. Oh, charmante! Regardez mes seins, ils sont tout petits. Ils grandiront. Dans nos îles, les sorcières disaient qu'ils grandissent quand on est amoureux. Il ne faut pas dire cela, c'est un péché. Non, Sophie. Dieu aime l'amour. Vous êtes amoureuse? Oui. Depuis longtemps? Non. Moi, on ne me parle jamais de ces choses-là. C'est agréable et terrible, c'est le feu. Reprenez une tartine, mademoiselle Sophie. Votre appétit fait plaisir. Merci, madame. J'en aurais l'envie, mais je ne veux pas. Oh, je vous prépare moi-même votre tartine, mademoiselle. Vous me demandez si gentiment. Qu'est-ce que c'est ça sur l'assiette? Ah, ça, ce sont des bananes. Oh. Des bananes de la Guadeloupe. C'est aussi fort que le roi. Oh, Henri. Ah, le café vous attend, mon oncle. Henri. J'arrive, mes enfants, j'arrive. Excusez un bien méchant mari qui passe toutes ses nuits dehors. Je vous pardonne. Mais ne vous étonnez pas si un jour je suis finalement jalouse des pauvres gens que vous allez soigner partout en m'oubliant. Sophie de Brécheville, notre voisine et notre amie maintenant. Bonjour, monsieur. Je crois que le baron, votre père, ne me porte pas dans son cœur. Mais vive les Brécheville, pardi, quand ils sont aussi charmants que vous. Et que son frère. Au fait, il n'est pas là? Pardon, mais j'avais complètement oublié. Il est parti de très bonne heure ce matin au champ. Il m'a demandé de vous remercier très fort. Lisette, va vite réveiller mademoiselle Judith. Elle veut ranger ses livres et elle sera furieuse qu'on la laisse dormir trop tard. Mademoiselle ne dort pas? Je l'ai vue s'en aller à cheval. Ah bon? Judith est... Judith est, comment dire, c'est... C'est un chat. Un très joli chat, mais c'est un chat sauvage. Je devrais haïr l'océan. C'est plus fort que moi, j'ai besoin de le voir. L'entendre.
Le haïr, pourquoi? Mes parents sont morts dans un naufrage. Un naufrage qu'une vieille femme leur avait prédit. Chez nous, on lit le sang des coqs comme un livre. Mes parents n'y croyaient pas. Ils sont partis sur une mer toute bleue. Transparente. Je souhaite que vous aimiez la Bretagne. Je l'aime déjà. Des voleurs de chevrons. Allons-nous-en. J'ai froid. Notre oncle Malaoug nous a envoyé l'argent du retour. Je n'avais pas revu la France depuis que j'étais petit garçon. Je ne savais même pas que nous avions un nouveau roi. La belle différence, un incapable après un débauché. Ce n'est pas vrai, Dieu protège le roi. En janvier dernier, la noblesse bretonne a refusé net de nommer des députés aux états généraux. Elle disait que le roi ne lui montrait pas assez de respect. Exactement. Alors pourquoi vous fâchez-vous quand j'attaque Versailles? Mais vous ne comprenez rien! C'est vous qui ne comprenez rien. Il faut que nous ayons la République, comme aux États-Unis. C'est dans vos îles à perroquets qu'on vous a appris ces horreurs. Je n'appelle pas horreur une société qui veut que tous les hommes soient égaux. Oh, je vous déteste. Tant mieux. Je vous hais. Oh, je le hais. Oh mon Dieu, faites que je le revoie jamais. Il a de si beaux yeux. Je me demande bien ce que notre maître est parti faire à la ville. Savez-vous, monsieur François? Comment tu veux que je sache, Périne? Il ne veut pas tout ensemble et me jeter des bouteilles à la tête et me dire ses secrets. De toute façon, vous, à part vos dessins de bateaux, vos calculs, vos cartes, ça pour sûr que vous deviendrez amiral. Qu'est-ce que vous nous dessinez de beau aujourd'hui? Un grand trois-mâts, comme pour monsieur Jean-Bart? Le respect que je dois à notre maître, j'aimerais bien qu'il revienne. Il faut être loin. Mon père est parti, mais je suis là, non? Ah, vous êtes là sans lettre. Ouais. Par Saint-Anne, ma patronne, moi je vous ai jamais vu comme ça. Vous avez l'air tout. Tout nuageux. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Les trois fois que je vous parle des comptes, trois fois que vous ne répondez point. Plus tard, les comptes.
Monsieur de Brècheville, je vous en prie, entrez. C'est si aimable d'être venu me rendre visite. Pardonnez-moi, madame, de vous déranger, je venais voir mademoiselle votre nièce. Je crois que son cheval s'est fait une méchante blessure l'autre soir. Entrez, je vous en prie. Judith et Guillaume sont partis avec mon mari à la ville. Vous n'allez pas m'abandonner, vous aussi. J'ai pour moi la musique. Pardon? Mon mari assez malade, ses nombreuses assemblées politiques, Judith et Guillaume de leur côté découvrent le monde comme des enfants. Notre vieux monde tellement compliqué. Et moi j'ai la musique. Vous n'avez jamais peur ici? Toute seule? Si, parfois. Il y a des chevaux qui galopent au loin, des cris. Cela surprend quand on n'attend personne. Mais la peur est peu de chose. Elle vient, elle passe. La solitude est pesante. Elle reste. Et je vous ennuie. Au contraire. Je suis touché de la confiance que vous me faites. Parlez-moi de vous. Il n'y a rien à dire. C'est moi alors qui vais vous parler de vous. Vous êtes jeune. Vous êtes fort. Et vous me désirez. Le rhume des foins? Non, la nouvelle Héloïse. Si tu savais comme c'est beau. Tu lis des romans à présent? Heureusement que papa est à la ville. Devine qui me l'a donné. Judith Malahoug. Non, son frère. Je croyais qu'il le détestait. Bah j'ai revu Judith, figure-toi. C'est mon amie. Elle nous a réconciliés. Bonsoir, monsieur mon frère aîné. Bonsoir, Sophie. Je n'aime pas quand tu m'appelles Sophie, c'est que tu as méchant humeur. Mais non. À ce soir, ma toute belle. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qui donc, madame? Tu es bien curieuse, Lisette. Je parle de Guillaume. Je n'aime pas qu'il aille se promener comme ça, tout seul, dans la campagne. Tout seul? Il est avec monsieur. Vous venez de les voir partir. Oh, tu m'agaces, va-t'en. Viens, madame. Non! Au secours! Non! Non! Au secours! À l'aide! Oh, tu peux toujours crier! Non! 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 Attention! Lâche-moi! Non! Non! Ma tête! Ma tête! Non! C'est là! Lâche-moi! Non! Non! Vous êtes blessé.
J'ai cru que j'allais me tuer. Vous êtes toujours là pour me porter secours. Ne pleurez pas. Oh, je ne pleure pas. Promettez-moi de ne plus jamais vous promener toute seule. Pour un cheval, ces voleurs sont prêts à tout. Vous pouvez vous lever. Oui. Je suis heureux que ma sœur soit votre amie. Laissez-moi l'honneur de servir mademoiselle Judith. Elle a été très courageuse. Merci. Rude journée, n'est-ce pas? Non. Même avec ces voleurs, je vous l'ai dit, j'aime la Bretagne. Votre Bretagne. Merci. Vous me touchez le cœur. Bretagne est douce. Bretagne est violente. Comme un beau cheval. Comme la mer. Ma tante, qu'avez-vous? Rien, excusez-moi. Rien ne résiste à la force terrible de l'amour. Comme c'est beau. Toi et tes romans. Sauvé ton amie Judith. Elle est morte? Mais non, petite grenouille, puisque je l'ai sauvée. Raconte. Trois bandits dans la forêt. Je suis arrivé juste à temps. Elle a eu peur, c'est tout. Tu as tué tous les bandits? Ah, morbleu, la peur lui va bien. Elle me regardait dans les fougères, étendue. Le diable me crève les yeux si j'ai jamais vu fille plus belle. J'en étais sûre. Quoi? Rien ne résiste à la force terrible de l'amour. Ah bon? Oui. Si Mathieu apprend que je suis venue ici, avec tous ces brigands... Tu n'as rien à craindre. J'ai un pistolet. Et nous avons ces couteaux. Tu te battrais avec un couteau? Personne ne viendra. Maintenant que nous avons fait le pacte du sang, ami à la vie, ami à la mort. Je vais te dire mon secret. Ton frère Guillaume, il a beau m'exaspérer avec sa politique. Je pense à lui très souvent. Tout le temps. Serais-tu prête à mourir s'il ne t'aimait pas? Non, alors. Je vais te dire mon secret. Sophie, j'aime ton frère. J'aime Mathieu de toute mon âme. Oh, je suis heureuse. Alors, on ne va plus se quitter? Dieu le veuille. Il le voudra. Je lui demanderai tous les jours. Tu étais en danger. Mathieu t'a sauvé, et tu l'aimes. Judith et Mathieu. Mathieu et Judith. Je l'aime depuis le premier soir où je suis entrée chez vous, dans l'orage. Comme dans Jean-Jacques Rousseau. S'il ne m'aime pas, j'en mourrai de désespoir. Jure que tu ne répéteras rien de tout cela. Même à Mathieu? À personne. Jure, sur notre pacte. Je le jure. Monsieur Guillaume, cela avance, vos amours? Je suis en train de lui écrire un poème. Sophie a malheureusement les idées détestables que son père lui a mises dans la tête. Et pourtant, il est clair que c'est une jeune fille admirable. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. Madame doit avoir ses vapeurs. Je vais aller voir. Restez ici, monsieur Guillaume. Qu'est-ce qui te prend, Lisette? Vous n'irez pas. Une femme qui a ses vapeurs ne veut voir personne. C'est ainsi.
Asseyez-vous au clavecin. J'adore quand vous jouez, monsieur Guillaume. Si Guillaume était monté, avait compris. Oh, c'est ta faute, Catherine. Si ta jalousie n'était pas insupportable, j'aurais pas cassé ce vase. Oh, mais j'y vois clair. Tu n'es plus le même, Mathieu. Cela a commencé l'autre jour, quand vous êtes revenu de la forêt avec Judith. Mais non. Tu ne penses qu'à elle. Oh, assez avec Judith. Pardon, Mathieu, je n'ai que toi. Mathieu de Bridgeville, qui entre dans ta maison et dans ton ventre comme un voleur. Tais-toi, je t'en supplie. Ah, Catherine. En cherchant de belles phrases pour mon prochain discours à la gloire du tiers état, figurez-vous que mon esprit a vagabondé. Vous avez pu oublier tous vos amis? Rousseau, Voltaire, Diderot? Pour vous, je me suis dit que réunir une petite compagnie pour un souper, par exemple, cela vous changerait de votre solitude. Qui parle de solitude? Vous êtes là, mon ami. Oh, si peu. Invitons les Brècheville. Ils sont jeunes, ils sont charmants, non? Comme vous voudrez. De mieux en mieux, de mieux en mieux. Il n'y a pas de mal, Périne. Je suis meilleure juge que vous, notre petite maîtresse. Depuis que votre sainte mère est au ciel, qui c'est qui vous a élevé tous, hein? Vâche pas, Périne. Les Malahoux nous invitent à souper. Relation de bon voisinage, c'est tout. Bon voisinage? Une bande de révolutionnaires? J'ai pas encore dit que nous irions. Accepte, Mathieu, tu verras Judith. On en reparlera plus tard, petite grenouille. Tu es fâchée avec Judith? Non. Alors accepte, Mathieu. Tu ne vas pas vexer Madame Malahoug, qui est si belle? Cette maison me vient de mon père. Oui, il était armateur et voulait que je lui succède, mais j'ai préféré m'occuper des hommes que des marchandises. Vous n'aimez pas les bateaux, monsieur? Moi, j'ai une passion pour la mer. Quelle belle journée, madame. Oui. Oh, vous n'avez pas honte, messieurs, de nous laisser toutes seules? Ah, nous attendons le souper et nous ne voulions pas troubler votre assemblée de femmes. Nous souperons au flambeau tout à l'heure. Jouez-nous du clavecin, je vous en prie. Il y a si longtemps que je n'ai pas dansé. J'adore vous voir danser. Si je joue du clavecin un peu faux, nul ne s'en apercevra. Tant vous êtes belles. Tant vous êtes belles, toutes les trois. Au moins, je ne danse presque jamais. Je vais vous apprendre. Vous allez vous moquer de moi. Je suis si méchant, professeur, que vous rirez la première. Me ferez-vous l'honneur? Danser avec un futur amiral, l'honneur est pour moi. Première fête depuis mon arrivée. Dieu veuille que je sois toujours heureuse comme à présent. Dieu veuille. Comme je le veux moi-même.
Je ne suis pas habitué aux fêtes, mademoiselle, ni au salon, ni à débiter des compliments. Mais... Mais ? Moi aussi, je suis heureux. Avec vous. Ah, Catherine. Vous ne trouvez pas cela de quelque imprudence? Quoi donc, ma chère? Vous ne voyez rien? Des enfants, où est le mal? Je ne parle pas de Sophie et Guillaume. Je parle d'eux. Ah, oh, un couple superbe. Raison de plus de les séparer. Mais pourquoi? Laissons-les s'aimer s'ils en ont envie. Ils n'ont pas le droit. Et pour quelle raison, ma chère? C'est impossible, voyons. Réfléchissez. Monsieur de Brècheville est noble et Judith est roturière. Un noble pauvre et une roturière riche, de telles unions se voient tous les jours. Non, pas en Bretagne. Oh, rassurez-vous, si nos idées de liberté triomphent, rien ne sera plus pareil, même en Bretagne. Vous et vos rêveries. Je fais des notes, mais vous, vous faites de la musique. J'aime rêver, c'est tout. Ah, vous aussi. Vous avez raison. Cela aide parfois. Décidément, c'est la soirée des duos. Votre sœur Sophie avec mon neveu, vous avec ma nièce. Et vous, madame, à l'instant même avec votre mari. Vous êtes très spirituel, monsieur de Brècheville. Oh, c'est que le plaisir d'être dans ce jardin m'aura donné de l'esprit, madame. Et fait perdre la mémoire, car j'attends le menuet que nous devions danser. Personne ne danse plus. Alors nous danserons seuls, c'est tout. Comme il vous plaira. Tu ne m'en veux pas, petite. Je t'aime. Tu veux que tout le monde le sache? Dis-moi ce que tu as. Rien. Si. Tu n'as pas envie de danser avec moi. Ne recommence pas, Catherine, s'il te plaît. Catherine. Tu ne m'aimes plus. Catherine. Tu ne m'as jamais aimée. Et venir ici. Te faire l'amour avec des risques incroyables. C'est quoi? Madame, si madame le désire, je peux annoncer le dîner. Tout est prêt. Très bien, Lisette. Souriez, madame, votre visage vous trahit. Je viens. Avez-vous faim, mes amis? Oui, comme des loups. Allez, venez, venez tous à table. On est bien chez vous. S'assoit-on comme on veut, Catherine? Oui, pas de cérémonie entre amis. Judith? Vous serez reconnaissante, monsieur, de ne plus jamais m'adresser la parole. Pardon? Vous m'avez comprise. Non. Je comprendrai quand vous m'aurez expliqué. Laissez-moi. Expliquez-moi d'abord. Je n'ai rien à vous dire. Adieu. Mathieu de Brècheville. Avez-vous déjà goûté notre muscadet, mademoiselle Sophie? Je ne bois que de l'eau, monsieur. Eh bien, ce soir, vous allez souper au muscadet. Vous avez si bien dansé. Le muscadet, c'est le plaisir de vivre. Comment avez-vous trouvé notre petite fête, Lisette? Très réussi, monsieur. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, monsieur.
Oui. Puis-je me permettre de vous dire que vous n'avez jamais été plus désirable que ce soir? Votre émotion me flatte, mon ami. Mais cette petite fête m'a fatiguée. Vous ne m'en voulez pas? Je viens seulement vous parler. Hein? De mes défauts. Vous êtes le meilleur des maris. Pourquoi me cacher la vérité? J'ai 20 ans de plus que vous. J'ai du poil tout grisonnant. Je vous délaisse jour après jour pour soigner de pauvres airs ou discuter des réformes de l'État avec mes amis. Je ne vous ai jamais rien reproché. Vous en auriez le droit. Et celui de vous ennuyer toute seule dans cette grande maison. Qu'allez-vous chercher? Ceci. C'est que toute autre femme que vous, si désirable, aurait déjà pris un amant pour se désennuyer. Peut-être le ferez-vous un jour. Peut-être le ferez-vous un jour. Monsieur. Peut-être le ferez-vous, comme les autres. Je vous demande alors de faire en sorte que je ne le sache point. Car je ne pourrai pas survivre à ma tristesse. Bonne nuit, mon ange. C'est pas pour dire. Depuis que vous êtes allé chez ces révolutionnaires, on vous tire plus deux mots de la bouche. Tu savais, Perrine. Parlez-moi, notre petite maîtresse, ça vous fera du bien. C'est comme dans les romans. Mon amie Judith est en désespoir d'amour. Oh, maladie de jeune fille. Elle oubliera. Pas elle. Elle aime Mathieu et Mathieu aime Catherine, la tante de Judith. Oh, Jésus-Marie. Oh, mon Dieu, quel malheur. Oh, je vous avais bien dit de parler, vous fourrez chez ces gens-là. Oh, quel malheur. Chose. Bien sûr. Je voudrais aller voir Judith. Tu m'emmènes? Il n'en est pas question. Judith est mon amie. Moins tu la verras, mieux ce sera. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Rien. Veux-tu qu'elle me fasse? Je m'en fous de Judith Malaoui. Tu entends? Je m'en fous. Madame m'a appelé? Oui, Lisette. Tu porteras cette lettre au château de Bridgeville, à Monsieur Mathieu de Bridgeville. Oui, madame. Et si maintenant ou plus tard il venait pour me voir, dis-lui que je ne le recevrai plus. Pauvre madame. Dépêche-toi. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi ces larmes? Rien, rien de grave, ce n'est qu'une petite fièvre. Et moi, c'est une grande fièvre que je viens vous annoncer. Le peuple de Paris a pris la Bastille! C'est les enfants qui vont être contents de vous voir. Une tartine, monsieur Gildas. Ah, je n'osais pas vous la demander. La tartine est rare au séminaire. Et du beurre. Ah, dame, pour le filleul de défunt notre maîtresse, rien n'est trop beau. Hein? Voilà. Merci, Perrine. Merci. Hein, profitez-en. Parce qu'avec cette maudite prise de la Bastille, Dieu sait si on mangera encore cet hiver. Mmh. Et par ici, quelle nouvelle? L'amour, monsieur Gildas. L'amour.
prend une soupe par jour. Il nous porte comme de l'eau. La semaine, on mange pas de meilleur. Alors que dire? Mais moi, je me résigne pas. Il le faut bien, monsieur le curé l'a dit. Et notre gentil Seigneur Jésus l'a dit aussi. Faut faire avec ce qu'on a. Si on veut être heureux plus tard, au ciel. Au ciel? C'est tant qu'on est sur terre, maintenant qu'il faut être heureux. Je suis pas le fils de Dieu, moi. Quand je serai dans le trou, tout sera fini. Thomas, comment oses-tu? Les Brècheville, les têtes noires, les curés. Comment est-ce qu'ils osent nous laisser crever de faim? Mathieu, faut que je vous cause, là, sans retard. Écoutez, c'est bien beau, enfin, sauf votre respect, que notre maître prenne du bon temps à la ville, mais nous, ici, ben, on... Oui, plus tard, tête noire. Plus tard. Ouais. Comme le vieux, quoi. Encore une femelle quelque part. T'as la tête à l'envers, hein, Mathieu de Brècheville. Dieu te la reboute du bon côté. Oncle Henri! Oncle Henri! Oui! Il y a un homme, où? Là-bas! Où? Il était là! Encore un de ces voleurs! Il ne t'éloigne plus! Mathieu de Brècheville, je te forcerai à m'aimer.